the banner of Jericho, and the walls come tumbling down. Joshua feed the banner of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua feed the banner of Jericho, and the walls come tumbling down. La chorale Saint-Pierre Julien Emma de la paroisse Saint-Joseph de Médina renoue avec la scène de l'agenda culturel du Sénégal. Ce samedi 29 juin 2024, cette chorale panafricaine donne un concert annuel au Théâtre National Daniel Sorano avec à ses côtés la chorale Sœur Saint-Martin de Porès de la paroisse universitaire comme invitée. Ambiance de répétition. Noël Faustine, secrétaire général au sein de la chorale Saint-Pierre Julien Eima. Alors, pour le concert de ce samedi, est-ce que vous êtes prêt? Alors, on est plus ou moins prêt. Il reste encore quelques petites touches à parfaire et puis voilà, ce sera bien, par la grâce de Dieu. Oui. Percuté par la pandémie de Covid-19, entre autres, cela fait 4 bonnes années que cette chorale cosmopolite n'était pas montée sur l'une des plus grandes scènes artistiques dakaroises. Mais ce samedi sera le grand retour avec au menu ce qu'elle sait faire le mieux, de la musique classique, les musiques africaines et le clou de tout cela, une comédie musicale autour d'un personnage biblique, Toby. Joseph Bassen, je suis choriste et maître de chœur à la chorale Saint-Pierre Julien Aymar de Médina. Ok, alors pour le prochain concert de la chorale, qu'est-ce que vous proposez au menu? Alors, ça va être quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Déjà, un voyage à travers plusieurs pays, plusieurs nationalités. Et une cerise sur le gâteau, une comédie musicale sur l'histoire de Toby. Nous allons, on va dire, faire connaître la Bible à travers une comédie musicale. L'histoire d'un personnage de la Bible à travers une comédie musicale. L'une des forces de cette chorale, c'est son collège de maîtres de chœur qui sont tout aussi diversifiés que les pays de provenance des choristes. Depuis quelques années, les plus anciens ont passé du témoin aux plus jeunes qui assurent à la perfection ce qu'on est en droit d'attendre d'eux. Quelques années, les maîtres de chœur ont passé le témoin à vous autres, une nouvelle équipe de maîtres de chœur. Comment est-ce que ça se passe, cette responsabilité qu'on vous a confiée? Oui, alors, c'est vrai que ce n'est pas évident de se tenir devant 70 personnes pour diriger. Mais voilà, ils ont su nous former, on va dire, à avoir ce leadership, à pouvoir gérer, même quand eux, les ténors, on va dire, les ténors en tant que maîtres de chœur, ils ne sont pas là. On a pris cette capacité à pouvoir leader le groupe, gérer les messes, gérer les prestations, tout ce qu'il y a à gérer. Oui, il se trouve que les choristes aussi se renouvellent chaque année pratiquement. Oui. Alors comment est-ce que vous parvenez à faire en sorte que les nouveaux puissent s'adapter et garder le même niveau? Le même niveau. Oui. Oui, alors il faut savoir que nous sommes une chorale qui répète beaucoup. Nous avons beaucoup d'heures de répétition, donc le rythme il est vraiment élevé. Donc même quand il y a les anciens qui partent, les nouveaux qui viennent, on les garde sur le même niveau. On ne baisse pas en intensité parce qu'on a des nouveaux. Bien au contraire, on accentue voilà, le travail pour garder le niveau de la chorale. Composé à plus de 90% d'étudiants d'Afrique de l'Ouest et du Centre, chacun y apporte le grain de sel de son pays. Du Cameroun au Congo en passant par le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo, plus d'une dizaine de nationalités composent cette chorale. Vous êtes donc de la Côte d'Ivoire, vous avez trouvé d'autres nationalités qui sont dans la chorale. Comment est-ce que vous trouvez l'environnement de cette chorale? Alors je trouve que l'environnement est bien, c'est vraiment un beau cadre. Il y a plusieurs nationalités comme vous l'avez dit, on essaie de se connaître, d'apprendre à connaître les comportements des autres, des différentes cultures. Et c'est vraiment bien au sein de la chorale parce qu'on a un environnement assez fraternel. Il n'y a pas de mini-groupe et autres, non, on essaie vraiment de cohabiter, de s'aimer, de s'entendre.
On est entre humains, il y a toujours des chamailleries et autres, mais par la grâce de Dieu, on s'assoit, on discute et les choses vont pour le mieux. Fondé il y a plus d'une quinzaine d'années, le noyau de cette chorale qui était un groupe de prière a fait du chemin. Très ambitieuse, elle a connu une ascension fulgurante en termes de niveau, de performance et se distingue de par son timbre. Quand on la découvre, on l'admire et on l'adopte. On vient de plusieurs nationalités, donc chacun apporte quelque chose de nouveau. Et la plupart des personnes qui nous écoutent, qui nous connaissent, quand on finit une prestation, ils nous disent « Waouh, on a vraiment senti la gloire de Dieu ». Et ça, c'est dû au fait qu'on se réunit beaucoup pour faire les prières, les retraites et autres. On n'est pas seulement une chorale qui chante à la messe les dimanches, mais on a vraiment une vie de prière. C'est ce qui nous différencie un peu. Donc oui, je pense qu'on fait ce à quoi on est appelé, la mission pour laquelle Dieu nous a appelé en tant que choriste. D'accord.